Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au Play to Earn. Alors je ferai une vidéo un petit peu plus globale dans laquelle je parlerai du Play to Earn histoire que ce soit un petit peu plus compréhensif. Mais aujourd'hui on va regarder un exemple concret. Cet exemple c'est quoi? Cet exemple c'est CryptoBlades avec le jeton Skill. Ok, donc ce qui va pouvoir t'intéresser c'est déjà de savoir un petit peu vite fait ce que c'est le Play to Earn. Le Play to Earn c'est d'avoir des jeux dans la crypto-monnaie qui te permettent de générer de l'argent en jouant à ces jeux. Un petit peu à la façon d'un RPG, ce qu'on va voir avec CryptoBlades. Là, on va pouvoir gérer des combats, créer, avoir des classes, avoir différents personnages et jouer avec. Et bah, tu vas voir qu'on va pouvoir faire plein de choses. Ça va ressembler vraiment à un RPG. Et je pense que ça, c'est vraiment la première génération des jeux qu'on pourra avoir sur les crypto-monnaies. Tu vas voir, c'est assez basique quand même. Hein. Ça a pas de quoi fouetter. C'est quoi l'expression encore? Fouetter trois canards, hein. Ouais, je sais plus, j'ai plus l'expression en tête, c'est pas grave. Bref, donc tout ceci pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne et te dire que si tu as envie de tester, je te mets le lien dans la description et tu pourras regarder par toi-même. On va faire cette semaine quelques applications comme ça, hein. Il y a un autre truc que j'ai envie de tester, demain ça va être Ethereum. Et comme ça, voilà, si ça t'intéresse, si ça t'intéresse pas, au moins tu auras l'information, tu sauras que ça existe et tu pourras voir en temps réel si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou pas. Déjà, la première chose à voir, c'est donc comment fonctionne ce jeu. Tout simplement, il fonctionne avec un set de personnages. Donc là, par exemple, moi, j'ai deux personnages. J'ai Razanathan Milak et Yvin Elrodin. Voilà, très très cool. Ces personnages-là, donc, eh bien, ils ont un certain niveau, ils ont des statistiques. Enfin, ils n'ont pas de statistiques là, mais tu vas voir qu'à un moment, on pourra avoir des statistiques avec... Enfin, c'est encore un projet en développement, hein. Il y a plein de choses qui vont se rajouter à la suite. Hein. L'objectif, en fait, bah, c'est tout simplement, tu as un personnage, tu peux le faire combattre d'autres personnages, et bah, c'est le jeu, quoi. Donc, pour commencer, tu as le choix, soit tu vas venir ici, appuyer sur Recruit, et tu vas recruter un nouveau personnage. Donc, tu vas payer 0,47 skill, d'accord? Ok. Soit tu peux aller directement sur la marketplace, tu vas appuyer sur Browse Character, et là, tu vas pouvoir acheter directement un personnage. Je te recommande fortement, c'est une erreur que j'ai faite, d'aller directement là-dessus et d'aller sélectionner un personnage niveau... Bah, tu regardes un petit peu les prix, hein, je sais pas toi combien ils seront les prix. Mais en fait, tu te rends compte que pour le même prix pour lequel tu peux minter un personnage donc niveau 1, bah, tu peux payer quasiment un tout petit peu plus cher et tu as déjà un personnage niveau 27, niveau 30, tu vois. Donc ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ça, hein, clairement. Par exemple, on peut regarder même les 30-40. Voilà, les personnages 30-40, tu vois bien, c'est pas déconnant. Hein. T'as un personnage niveau 33 pour deux fois plus qu'un personnage niveau 1. Ça m'a l'air vraiment intéressant pour gagner un petit peu de temps et pour pouvoir un petit peu plus comprendre. On va regarder, écoute, parce que moi, il me faut un personnage. On va checker vite fait. Alors, c'est quoi le personnage le plus élevé pour la somme la plus faible que je peux avoir? Ils sont 35, 0,81, ok. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on a un 37? Est-ce qu'on a un 36? 36, il est à combien? Il est vendu celui-là. Est-ce qu'on a plus que ça? Non. A priori, non. Enfin, ça peut aller encore un petit peu plus loin, hein. Il y a 49 pages. À mon avis, les noms sont générés de façon aléatoire. Hein. Vu les noms qu'ils ont tous, ça doit être généré vraiment de façon aléatoire. Non, écoute, on va prendre un pas cher, on va prendre un bleu, parce que je n'ai pas encore de bleu. On va prendre lui, niveau 33, écoute, ça me semble vraiment pas déconnant. Ok. Donc, comment on achète Purchase, et ça va dépenser 0,78 skill. Alors, la première étape, c'est de valider la transaction donc sur le trésor. Hein. Rien de bien méchant, il faut juste faire une première transaction. A few moments later. Voilà, tac, j'ai déverrouillé le trésor. Donc, on va pouvoir faire une transaction. Il va nous demander valider, ok. Et la première chose, c'est déjà, est-ce qu'on est d'accord pour dépenser de l'argent? Donc, ça va être cette transaction-là qui va passer en premier. Et ensuite, on va dire qu'on veut acheter le personnage là pour cette certaine somme de skill. Donc, pour jouer à ce jeu là, il te faut pas grand chose. Hein. Oula, c'est pas bon ça. Tac, tac. Purchase. Est-ce qu'on l'a reçu ou est-ce que c'était bien petit F5 hein. Donc, je disais, pour jouer à ce jeu là, on va aller le reprendre. Hein. De toute façon, market. Rose character. Level 31 à 40. Ah merde, il y a un mec qui l'a acheté avant moi. Ou c'est moi qui l'ai acheté, je ne l'ai pas encore en visible. Non, je pense qu'il y a un mec qui a dû l'acheter avant moi. Il y a de bonnes chances qu'un mec l'ait acheté avant moi.
Ah, c'est comme ça qu'ils font monter les prix. Bon, écoute, c'est pas grave, on va prendre un bonhomme de terre. Un qui a de l'énergie, s'il te plaît. Non? Parce que s'ils n'ont pas d'énergie, bah ils peuvent pas combattre. Moi, j'ai envie de combattre avec. Tu comprends? Donc, il me faut un personnage qui a son énergie au maximum. Est-ce qu'on va en trouver un? T'as vu comment on arrive à m'acheter, moi? T'as vu ça? C'est extrêmement facile. Non, en réalité, on va plutôt prendre un 21-30. Ok. Ça, c'est moi qui m'amuse. Hein. En réalité, tu peux partir avec un personnage niveau 0 et puis ça fonctionnera très bien. Bref. Ok, c'est pas rentable. On s'en fiche, on va prendre un autre personnage niveau. Je sais, c'est pas ce que t'as envie de voir. Je couperai très sûrement ça au montage. Ok, donc. Putain, il y a un mec qui s'est fait plaisir. Hein. Il a tout acheté. Tac. Moi, j'en veux juste un avec de l'énergie, les gars. Déconnez pas. Ok, écoute, finalement, il n'y a rien qui m'intéresse. On va jouer. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. La partie intéressante du jeu, donc, c'est qu'une fois que tu as créé un personnage, eh bien, il faut que tu crées une arme chez le forgeron. Donc, pour ça, tu peux appuyer simplement sur Forge. Ou alors, tu peux également acheter directement une arme sur le marché. Ici également, je te recommande d'aller acheter une arme. Comme ça, tu peux directement avoir un bon jet pour quasiment pas cher. Hein. Price low to high, tu vois, c'est 5 fois moins cher que le prix pour en minter. Et tu peux choisir le jet et tu peux également choisir l'élément. Donc par exemple, bah, tu vas t'arranger pour avoir une arme, je sais pas, mais beaucoup plus intéressante. Je sais pas, par exemple, tu vas prendre ça pour 0,01. Au moins, t'as pas besoin d'avoir l'aléatoire dessus. À savoir que ça fonctionne avec un certain type d'élément. Par exemple, mes personnages, comme tu peux le voir. Et bien bah, ici, donc... Yvind Elrodin, ce champion, eh bien, il est de l'élément feu. Donc, si je veux lui prendre une arme, eh ben, il faudrait que j'aille chercher une arme d'élément feu. C'est pas obligatoire, mais ça va booster ses dégâts, ça va booster ses statistiques, et c'est ça ce qu'on aime. Pareil pour mon autre personnage, le mieux c'est de lui prendre une arme électrique. Ok. Donc, maintenant, on est prêt, on a notre arme, on a notre personnage, et eh ben, tu sais quoi, on peut aller au combat. Pour aller au combat, on va juste choisir notre arme, donc moi j'ai pris celle-là. Et maintenant, donc, on est face à quelqu'un, on est dans cette situation de combat. Donc, ici, tu dois faire un choix. Qui c'est que tu vas attaquer pour combien d'expérience? Comme tu peux le voir, il y a un système de power. Le power, donc, il est calculé par le niveau de ton personnage, si tu as une petite indication pour savoir à peu près ce que ça donne, plus la puissance que tu vas avoir sur ton épée. Hein? Donc, ensuite, tu peux mettre différents... Tu peux mettre le coût de la stamina. Donc la stamina, c'est l'énergie de ton personnage. Et ça, c'est ce que ton personnage en fait va dépenser comme énergie pour attaquer. En gros, si tu mets à 200, c'est comme si tu faisais 5 combats d'un coup parce que tu es sûr de gagner. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre le combat là et je vais faire fight. Alors là, ce que tu vas pas voir toi, donc 2 secondes, je valide ma transaction, tac. Ce que tu vas pas voir toi, mais ce que l'ordinateur va faire, c'est qu'il va roll des dés et faire un petit peu comme si on était dans un combat type ce que tu peux avoir dans Dofus ou dans un Dungeon and Dragon. Et il va te dire est-ce que t'as gagné, est-ce que t'as pas gagné. Si t'as gagné, on va te rembourser les frais, donc j'ai gagné. Donc ils vont me rembourser mes frais de, bah, de gaz, plus ils vont me donner une petite somme sous la forme du jeton skill. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, j'ai gagné mon combat. Donc j'y roll un 3478, l'ennemi a roll un 2078. Et donc ça veut dire que j'ai gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai plus de stamina, hein, c'est un petit peu triste, mais c'est la vie. J'ai également gagné 140 d'expérience que je vais pouvoir dépenser là tout de suite si je veux gagner des niveaux. Donc ça revient à faire une transaction. Par exemple, si je veux dépenser mon expérience que j'ai gagnée, c'est ce qu'on va faire, hein, tac. Alors, je ne l'ai peut-être pas précisé au tout début, hein, mais c'est sur Binance Smart Chain. Voilà, donc maintenant, tu sais. Et pour avoir des jetons skill, je vais te montrer comment le faire. J'aurais dû te faire... Je vais te faire un petit montage en début, tu vas voir. Je te montrerai comment tu peux en avoir. Donc là, j'ai dépensé mon expérience. Mon personnage est passé au niveau 15. Donc, il a plus de power qu'avant. Impeccable. Ensuite, bah, j'ai un deuxième personnage et je peux également le faire jouer. Hein. Écoute, on va aller donc dans le combat. On va sélectionner le deuxième personnage. On reprend une arme. Et lui, on va également le faire combattre. Hein, tac. Donc, il te dit, hein, c'est assez pratique parce qu'il te dit déjà la tendance. Tac. Donc, lui, on va essayer de le faire combattre celui-là. Et là, il va te dire si j'ai gagné, si j'ai perdu. Comme tu peux le voir, le jeu est encore assez basique. Hein. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. C'est ça l'expression. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique parce que tu as déjà quelque chose de... Enfin, moi, je trouve, c'est vraiment pas mal pour un premier truc. Et en plus, tu peux gagner un petit peu donc des jetons skill. Le souci pour le moment, c'est qu'on est... Yes, c'est gagné. Comme tu peux le voir, j'ai gagné moins de skill qu'avec l'autre, tout simplement parce que l'autre est plus haut niveau. Et plus ton personnage est haut en niveau, et ben plus il va gagner de skill. Voilà.
Donc là, je peux également dépenser mon expérience pour gagner directement des niveaux sur le personnage et pour pouvoir gagner plus de jetons skill à chaque fois. Voilà pour un petit peu le fonctionnement de ce jeu. Alors comme tu as pu le voir, c'est rien d'exceptionnellement complexe, c'est surtout un petit truc sympathique et moi j'aime bien l'idée qu'il y a derrière, je trouve vraiment c'est grave cool, tu vois. J'ai l'impression que c'est un petit projet sympathique, ils développent leurs petites choses et j'aime beaucoup. Donc on verra bien ce que ça va donner, ils ont quelques projets, ils veulent aller un petit peu plus loin. Également il y a une pool de stacking, donc si tu veux, tu peux stacker directement chez eux. Et tu peux générer un petit peu de jetons skill en stackant directement. Voilà. Ce que je t'ai pas précisé, c'est qu'il faut avoir des jetons skill pour commencer à jouer, évidemment. Hein. Donc tu peux aller sur PancakeSwap. Et tu peux tout simplement aller dans Trade. Tac, tac. Et tu peux aller choper les jetons skill. Donc tu tapes skill et tu vas les avoir. Donc là, tu as les jetons skill et tu peux échanger. Je sais pas ce que tu as envie d'échanger hein, pour avoir des jetons skill. Ces jetons skill, je sais pas, ça vaut combien à l'heure actuelle. Je crois que c'est 30$ le jeton skill. C'est quelque chose qui est un petit peu monté. Hein. Tac, 757e position, ouais. 31$ le jeton skill, voilà. Histoire que tu te fasses une petite idée, voilà la courbe de la chose, c'est quelque chose qui a explosé quand on parlait vraiment des jeux. Et là on est à un prix plutôt bas, et moi je me suis dit ouais, c'est un prix auquel j'ai envie de rentrer, ouais, voilà. Demain on va voir quand même pour faire un petit test, pour essayer d'autres choses. J'avais vu il y a Ethereumon, non, ça s'appelle le jeton, Emon, ça m'avait l'air plutôt pas mal, c'est un truc qui a pas encore explosé plus que ça. Il a fait juste un x3, non pas un x3 mais un petit peu plus qu'un x3, ouais tu regardes on est à 0,6 ça fait un x5, x6 là mais là on est plutôt en un x3, un x4 tu vois. Je me dis c'est quelque chose qui peut encore prendre la valorisation et c'est surtout quelque chose qui m'a l'air très intéressant à regarder pour le futur. Donc évidemment aujourd'hui on n'a pas eu d'actualité mais on a eu une petite démonstration d'un jeu dans la crypto-monnaie. Et ça pour moi mec, ça c'est vraiment en fait le début. Si tu veux, à terme, je pense qu'on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus stylé, déjà, parce que ça, bon, c'est un petit peu des cartes. Ça ressemble beaucoup à un jeu de Pokémon, tu vois, avec des éléments, des choses à gagner un petit peu comme ça et tout ça. Ça me fait vraiment penser à un jeu qu'on peut avoir comme dans Pokémon. Mais à terme, je pense qu'on va se tourner plutôt vers quelque chose qui pourrait ressembler, je sais pas, par exemple, à un Dofus, avec des graphismes un petit peu plus stylés. Bon, là, c'est des graphismes réalistes, hein, c'est pas du tout le même design. Mais tu peux être tourné vers quelque chose qui pourrait peut-être ressembler un petit peu plus à Dofus, quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus stylé, dans lequel tu pourrais peut-être même te déplacer. Et pour moi, on est vraiment au tout début de cette technologie. Pour le moment, il y a pas mal de projets qui se lancent là-dessus. Hein. C'est un petit peu le truc là où tout le monde a envie de se faire sa position dessus parce que c'est le moment. C'est le truc qui a fait exploser et qui a fait un petit peu remonter les crypto-monnaies. On l'a vu dans l'actualité d'hier. Et c'est surtout quelque chose qui est très fun. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir un jeu assez intéressant, je pense notamment à Axie Infinity, faudrait que je l'essaye quand même un jour ce jeu. J'ai juste pas envie de rentrer dedans à l'heure actuelle, tout simplement parce que c'est un jeu qui a pris mais tellement de valeur il y a pas longtemps que pour moi ça va être difficile de se positionner dessus. Si tu veux, le jeton a fait un multiple mais totalement indécent en très peu de temps. Il a fait un x20, tu vois. Non, il a fait plus qu'un x10, il a fait un x15 à peu près. Donc moi je trouve que c'est quand même, c'est tendancieux tu vois de rentrer dans un projet quand il est à ce niveau là, hein, clairement. Donc je préfère attendre et regarder pour le moment si on n'a pas d'autres jeux, si on n'a pas d'autres choses. Je vais attendre que la tension redescende. Parce que le souci un petit peu avec ces jeux à l'heure actuelle, c'est tout simplement que les gens qui vont pouvoir générer le plus de jetons skill par exemple pour ce jeu là ou d'AXS, ce sont les gens qui sont rentrés le plus tôt, ce sont les gens qui sont rentrés là. Et donc ça peut s'apparenter un petit peu à un Ponzi quand même sur les bords. Hein. On va pas se mentir. Bref, il y a encore pas mal de choses à faire à ce niveau-là. On verra comment tout ça va se développer. Moi, je pense honnêtement qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui vont venir. Mais qui suis-je pour essayer de prédire l'avenir? Eh oui, qui suis-je, effectivement. Donc sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, on fera peut-être un crypto actu, on fera peut-être une vidéo sur Ethereum. En tout cas, on va faire quelque chose de cool. Ciao.